Ce marchand de mort, tu quête non suivie proche. Oh, nice. Sa cupidité était leur seul fléau. Ah, je suis en train de cramer là. Les morts seront en paix. Il n'y aura plus de crémation. Ok, c'est bon pour ça. Nickel, le niveau 27 qui tombe également. On va maintenant pouvoir faire reprendre la quête principale. J'ai deux niveaux au-dessus, on devrait être pas mal. Je te réponds après, Chaos, hein. Je ne t'ai pas oublié, rassure-toi. Attaque et poussée, non. Détournement, non. Attaque aérienne, non. Enchaînement de jets sur puissance, pas vraiment. Ah oui, je voulais faire la flèche téléguidée, ça avait l'air rigolo ça, attendez. Augmentation, le nombre de flèches tirées avant d'avoir rechargé. Non, je voulais... Sinon, fureur à l'arc avait l'air cool aussi. Ça, c'était quoi? Non, arc de chasseur, je m'en fous. Arc léger, voilà. Arc de prédateur amélioré, oui. Recycleur de flèches, non. Harcèlement d'aigle, non. Porteur d'arc. Non, parce qu'en vrai, je pouvais aller là-bas. Dis-moi tout, s'il est. Dis-moi tout. Est-ce que je passe par là? Parce que j'en ai vraiment rien à foutre du porteur d'arc. Moi, je veux juste un arc de prédateur, en vrai. Parce que là, il me faudra quand même 5 points, 6 points. Ou est-ce que j'augmente mes dégâts de guerrier? Ce serait quand même peut-être plus utile pour les fights à venir. Ah, je pense que tu as la signe complètement. Navré. Le doubleur de Bruce Willis de mémoire à 70 environ. Je veux bien faire plus vieux que mon âge, mais quand même. Quand même. C'est... Alors. Bombe incendiaire, lancer cette bombe. Non, ça, j'en ai vraiment rien à foutre. Paix à son âme. Chez les chars, les écuries. Sur quoi est-ce que je peux partir? Bonjour Dritz. Ouh, ça fait longtemps que je t'ai pas eu, toi. Comment ça va? Sachant que ça peut être pris à plusieurs reprises. Le truc de l'arc pourrait être sympa quand même. Mais il n'y a pas de soucis, c'était pas un reproche, attention. Ça c'est cool quand même. On va garder les points pour l'instant. On va garder les points et je pense qu'on va partir un peu sur l'arc. Alors, on va aller faire... Bah non, tout la quête juste à côté, écoutez. Bon, ça va pas mal, écoute-moi. Bon, ça se passe plutôt bien. Et donc, Chaos, un 900p, 60 fps à 6000 bitrate sera plus joli qu'un 1080p, 60 fps à 6000 bitrate. J'ai déjà streamé en 900p, ça dépend vraiment des moments. C'est quand même penser que tu vois qu'un i7, c'est mieux qu'un Bref, qu'un plus gros processeur est mieux pour le jeu qu'un plus petit processeur, ceci est faux. C'est le même principe là-dessus. Ce qui compte dans un stream, au-delà de la résolution, surtout le bitrate. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, par exemple, un très beau 720p qu'un moyen 900p, tout comme il vaut mieux un très beau 900p qu'un moyen 1080p. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un petit... Oh, c'est gentil, ça. On continue un peu la contribution pour le PC. Oh là. Oh là. Oh. Alors, attends. Alerte box. Il s'est passé un truc chelou, là. Merci beaucoup, Elvolien, au moins pour les 5 euros. J'ai vu un pingouin apparaître. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais pourquoi il y a un écho? Attends, ça, je sais pas. Pourquoi il y a eu un écho? Ça a mis le son deux fois, en fait. Attends, je vais essayer. Attendez. Le pingouin, il me bute. On continue un peu. Ah, ça le met deux fois. Pour le PC. Ah bah écoutez, je sais pas. Pourquoi est-ce que ça fait deux fois ton alerte? Je ne sais pas. On entend bien deux fois le gling-gling. Je ne sais pas. On verra si ça se refait avec une autre alerte. En tout cas, elle veut lire. Merci beaucoup pour les 5 euros. C'est très gentil à toi. Et donc, comme je disais, je vais pas y arriver. On dit quoi déjà? Oui, voilà. Le bitrate donc est plus important que la résolution. Dans le cas présent, ça serait intéressant pour moi de repasser en 1080p si je pouvais dépasser le bitrate officiel de Twitch, sachant qu'il y a une grosse différence entre le bitrate officiel et le bitrate officieux de Twitch. On a pu le voir, mais ça, dans tout cas, je ne préfère qu'avec la fibre. Voilà, c'est impossible en 4G, même si quand la connexion, pour le coup, la marche très bien. Hein, logiquement, le live doit quand même être plutôt propre. Donc, pour moi, c'est ce qui compte le plus, quoi qu'il arrive, sachant qu'il n'y a pas de drop. On continue. Et bonjour à toi, c'est l'Arc. Oui. C'est Otefres qui m'envoie. Je suis là pour t'aider.
Et j'ai la poupée de ta fille. Bien. J'attendais des nouvelles de mon homme. Je t'en remercie. Viens manger, nous avons à parler. Oh, j'adore ma nouvelle poupée, Bayek. Je vais l'appeler Izette. Pas de fou, non. C'est l'un des rares trucs en périphérique où j'y connais pas grand-chose. Tu remarqueras que j'en parle jamais. Désolé, je passe. Côté s'est emparé de ce registre. Le Fayoum est à cran. Des soldats armés de torches patrouillent toutes les nuits. Ce sont eux qui ont détruit cette cuisine qui doit nourrir les miséreux. Au moins, ils ne s'en prennent pas à Shadia ou à moi. Mon mari Otefres y a veillé. Où se trouve le registre ? J'ai chargé notre plus fidèle serviteur de le cacher dans notre villa. Ils peuvent fouiller les lieux autant qu'ils le veulent. Pas en 5 minutes, Chaos. Ils ne le trouveront jamais. Tu peux m'y conduire ? Donc pas aujourd'hui. J'ai été convoqué au phare pour une autre de leurs enquêtes de routine. Ah, ça pourrait être dangereux. Les hommes de Ptolémée sont sans doute de mèche avec le crocodile. Ça arrive très souvent par ici. Ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'ils n'oseront pas s'en prendre à quelqu'un qui porte un titre officiel. Moi. Shadia, montre à Bayek comment aller chez nous. Moi. Le côté... Le côté Medjay... De Bayek. J'ai l'impression quand même que les gens n'ont pas grand chose à foutre. Je te suivrai. Il n'y a pas une punch là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait la gamine là-bas. Alors. Où t'as appris à grimper comme ça? Ça a l'air amusant. Je t'avoue que mes connaissances en Égypte antique sont pas ultra poussées. Non, moi, ça reste un plaisir de découvrir des figures historiques. Et au-delà de l'aspect historique, t'as vraiment l'aspect univers qui est quand même très bien représenté. C'est si beau vu d'ici. Les gens, ils devraient être heureux. C'est un peu une sorte de Walker Texas Ranger, quoi. Ne t'en fais pas. Ton père et ta mère vont prendre soin d'eux. Où est ta maison? Sur la colline, là-bas. Tu la vois? Oui. Et je vois des soldats. Merci, Shadia. Ok, c'est parti. C'est parti pour la chasse. Plutôt runner et jet warrior. Il ne marche pas. C'est pas faux. Il vient m'arriver de mal, tu sais. Izette, elle sait se battre. Alors, on a combien de connards? 4, 1 et 3, 7... 8, 9. Bonjour, messieurs. Bah, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que, honnêtement, ça n'a pas un impact incroyable qu'il soit le Medjay officiel de l'Egypte. La fameuse... J'avais compris, Daralex, t'inquiète pas, c'était déjà nul avant que tu l'expliques. Hein. La fameuse... Le fameux emblème, tu vois, qu'il nous a donné, n'a pas non plus un... N'a pas un pouvoir dingue, quoi. On a retrouvé le registre? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Le capitaine est en train d'interroger le serviteur. Ok. Bon, ça les a calmés un petit peu, là, je pense. Le headshot pour calmer du connard, ça reste quand même une... Oula. Il m'a vu ou pas, lui? Non. Pas par contre, ça arrive. Ça arrive. Il vient ou pas, lui? Ok, lui, je l'aurais pas one-shot. Quoique, peut-être que si, avec le feu, en vrai. Avec le feu... Peut-être que si. Absolument, Louéa. Et ce sera, je pense, la même chose pour Valhalla, c'est juste des améliorations, tu vois, l'itération. Ouais. J'ai vu Ciné, grâce à ma fantastique modératrice Atrix, qui m'a fait partager la news, il y a eu un petit teaser, tout à fait. Une série Assassin's Creed arrive sur Netflix. Ah bah Valhalla, je sais pas quel point t'as suivi, mais visuellement, on est quand même un... On a un gap. Hein. C'est ça, crève. Ok. Pas mal pour l'instant comme petit carnage. On est sur un solide full fufu. Alors. Je n'ai toujours pas vu le film. Faudrait vraiment que je le voie, M.C. 4. Je sais que c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Plutôt le contraire, mais bon. Je l'ai renvoyé auprès de sa mère. Rien qui ne mérite pour l'instant ma connaissance que. Autre chose qu'une vidéo YouTube. Fais petite. Tu n'es pas de taille à jouer avec le crocodile. Donc oui et non. C'est
C'est très proche, sauf que là en plus, t'as le gameplay épée bouclier qui est assez sympa, qui n'est pas présent dans l'Odyssée, il n'y a pas de bouclier dans l'Odyssée. Et sinon, oui, on est sur les mêmes bases. En gros, on part du principe que Odyssée c'est une version améliorée d'Origins. Et c'est déjà pas mal en soi. Ah, j'avais pas vu que je le finissais pas, tiens. Ok. Lui, il a fini en brochette. Te voilà. On va aller s'occuper de lui. Bonjour. Je suis pas sur le lycée, je suis sur Origins, c'est vas-y. Ok. On est pas mal. On va pouvoir rejoindre la cuisine. Rejoindre la cuisine pour miséreux de Fémeria. La discrétion repassera. J'ai été discret pour rentrer, moins pour sortir. Pun intended. Merde, j'ai encore confondu. Alors pourtant, ça se voit quand même qu'on n'est pas... en termes de paysage et de bâtiment, bon, il y a quand même une architecture un petit peu plus égyptienne que gréco-romaine, quoi. Quand même. Tu as vu Kenout? Elle est ici? Les soldats sont venus et l'ont emmenée au phare. Avec Shadia. Kenout a plaidé sa cause, mais ils l'ont pas écouté. C'est très inquiétant. C'était jamais arrivé auparavant. Va prévenir Otefres. Vite! Ah, Paramon! Kenout et Shadia sont au phare. Il faut que j'y aille tout de suite. J'arrive. On y va. On va la sauver. C'est parti! On y va en mode TGV. Cassez-vous, les connards! Cassez-vous, les plébéiens! Attention, on va sauver une madame. Barrez-vous du chemin, sinon finissez en kebab. Voilà. D'ailleurs, on a fait un kebab hier soir avec les copains. C'était vachement bon. Pour fêter leur départ, fêter la dernière soirée ensemble, on s'est fait un bon petit kebab. On est arrivé à 20h46, quoi, 14 minutes avant le couvre-feu. Ah, ils sont réglo pour le coup, hein. 21h tapante, c'était fermé le resto. Ouais. Salut Titox! Le même, tout à fait, et c'était toujours aussi bon d'ailleurs. Ok, on a un camp. Alors, combien est-ce qu'on a de personnes? On a un élite, enfin un élite. C'est un bien grand terme, un élite. On a un monsieur, c'est tout, ils sont pas très très nombreux, écoutez. Un Doom, effectivement, selon un certain Easy Salt. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Par coucou les dieux, qu'est-ce qu'on a fait? Calme-toi, frère. C'est le crocodile qui l'a fait. Pas toi. Au revoir. C'est que ça devait être garde nécessaire. Très vigilant par ici. Oh, il a l'air costaud, lui. Hein. Ouh, il a l'air costaud. Ça tombe bien qu'il va se prendre un petit one-shot. Hop là. Capitaine. Toi t'es mort, tu le sais juste pas encore. Hop là. Hop là. Écoutez, ça m'a l'air pas mal cette histoire. Je crois que j'ai fait un carnage de type tout à fait honorable, non? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, allez où? Allez où, Ephemeria? Venger WPJB.BNE. What the fuck? Trouver tuer les coupables. Qu'est-ce que c'est? Oh non, ils ont tué. C'est... Oh non, pourquoi elle pleure? Ils ont tué la gamine? Shadia. Mais non. Ils ont quand même pas tué la petite gamine. Shadia. Ah non, ils l'ont emporté à bord d'un navire. Bataille navale. C'est ça? Trouver Shadia. Elle est où? Ah non. Elle a fini en poisson pané. Ça va, on s'y fait, Ciné. On s'y fait. D'accord, ça marche. Non, ils avaient qu'à pas être nuls. Voilà. Plus simple. Ah ouais, elle a fini avec les crabes là. La gamine, attendez. Oh là là. Oh putain, c'est horrible. Oh les salauds.
Oh, plutôt crabe que Groco là, mais ils ont buté la gamine. Oh les salopards. C'est pas très Charlie, hein. C'est pas très très Charlie tout ça. Ah, la Sicilienne, ouais. La Sicilienne, 2000 ans avant. Il va pas être très content, là, le Bayek. Hein. Je pense que là, il va être un peu... Va y avoir des morts. Hein. Va y avoir du connard. Hein. Ça va... Ouais. C'est pas très très sympa, ça. À la gamine couler les pieds dans du... Pas dans du béton, mais suspendu au autre. Le crocodile a gagné. Le registre est... perdu. Non, c'était pas son enfant. Ma fille. Voilà, c'était l'enfant de lui. Ma Shadia. Ce monstre nous a tout pris. Il voulait protéger sa famille, justement, lui. Il va payer pour ça. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas, Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. Je l'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenu, t'as pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Toujours la faute des roux. Des soldats. Voilà. T'es un connard de roux. Putain de sans âme. C'était des gladiateurs. Bravo. De la reine. S'il y a des roux dans le stream, dans le chat, ceci est une blague, je précise. On est en 2020, je méfie. Ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra. Je la connaissais pas, celle-là, Drit. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout, pour le coup. Les écailles du crocodile. 3000 XP. Ah, mais je vais bientôt être 28 quand je vais l'affronter, monsieur. Les mâchoires du crocodile, maintenant. Rejoindre l'arène de Crocodilopolis. C'est pas trop fait chier sur le nom, Jean-Michel. Hein. C'est quel niveau, la quête? Ah, niveau 28 suggéré, par contre. Eh ben écoutez, on va pex un peu. Parce que sinon je vais me faire éclater le cul. Hein. Alors, on va pex un chouïa, les gars, attendez. Quête principale là qui gagne en. Qui gagne en niveau. On va faire gaffe. Résultat, on va aller faire les quêtes un petit peu du coin, vous voyez. On va le vider un petit peu la zone là. Avant d'attaquer ça. Ça me paraît pas mal. Hein. Alors... Oula, désolé. Ces pauvres gens, déjà qu'ils ont pas grand chose en plus. Oula, bonjour, y'a quoi ici? Trouver le papyrus caché. Et salut Goblex. Alors oui, j'ai une forte, une grosse tendance, hein, je vous dis, à pas mal papillonner. Hein. Tu serais une tare aujourd'hui. Hein. Tout est possible. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, voilà. J'ai pas de... Maintenant j'ai plus de bibou à sortir ou autre, hein, j'ai rien de prévu. Donc, peut-être ben oui, peut-être maintenant. J'ai pas de réponse plus honnête à te donner. Si j'ai un coup de barre, je cut. Là, je suis bien pour le coup. En même temps, j'ai bien Red Bull, ça aide. Si j'ai envie de mater une série, voilà. On verra. Au moins quelques heures, tu vois. Là, on est à quoi là? On est à 1h20 de live. Hein. J'ai au moins streamé en 4-5 heures quand même. Mais peut-être jusqu'à minuit, peut-être jusqu'à 23h, peut-être jusqu'à 5h, je sais pas. Voilà. On va aller prendre le point d'observation. Toujours bien d'avoir un petit épée dans le coin. Toujours sympathique. Peut-être que je cut à 20h et que j'irai me mater Viking. D'ailleurs, je voulais enchaîner sur Viking. Et donc, en fait, non, je me suis planté. Je suis au début de la deuxième partie de la saison 5. Donc, en fait, au 11e épisode de la saison 5.
Et c'est pas encore il y a des bugs sur Prime Video, c'était pas disponible. Donc j'étais un peu triste. J'ai voulu regarder ça un peu pour changer les idées avant le live là et j'ai pas pu. J'espère que je pourrai enchaîner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé la nouvelle série, pas de spoil s'il vous plaît, Barbare sur Prime Video de Netflix? Est-ce que des gens ont aimé la série? Pour la curiosité. Et vous en pensez quoi? Sans spoil, so far, s'il vous plaît. Fini, d'accord. Il y a 6 épisodes, je crois que c'est assez court. Court, bref, mais intense, c'est ça? Pourquoi ça peut être le style, c'est l'OEA. C'est comme des trucs coréens, chinois, japonais ou autres. C'est un autre style d'acting. Pas fou, ok. Ok, donc autre question dans le même style. Est-ce que vous avez vu The Last Kingdom? Et si oui, est-ce que vous avez aimé? En gros, la question étant, est-ce que vaut mieux partir sur un barbare ou sur un Last Kingdom? On me voit ici. C'est un peu l'idée, quoi. Qu'est-ce que vous avez préféré entre les deux? J'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps là. Les deux, d'accord. En fait, c'est juste quand tant que Viking bug pour l'instant sur Prime Video quoi. D'accord. Et dernière question, et là on passe en mode manga. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un partenariat entre Assassin's Creed Valhalla et Vinland Saga. Qui a lu? Alors je parle bien de lire, hein, je regarderai pas l'animé là, je lirai. L'animé, le manga Vinland Saga, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh putain! Salut nul, quoi de neuf? Comment vas-tu? On va aller faire celle, Lord Sobek. Je ne sais pas lire. Je te crois. En vrai, je me demande si on peut. Tu parles de quoi d'Origins, Arija? Alors pratiquement, là, les seuls que je peux pas assassiner en one-shot, c'est les gros tarés, mais les gros élites. Ah, Valhalla. Moi, j'ai eu un peu de changement, donc maintenant je suis solo. Attends, on va faire la quête. Petit changement, étant donné que tous les copains sont partis. Bibou aussi. Donc ça fait bizarre, mais ça va. Cela ne te regarde pas. Va-t'en. Ce garçon n'aura que ce qu'il mérite. Je sers Sobek. Je suis son esclave. Toi, de quoi t'accuses-t-on? J'étais chargé. On tourne avec Bibou. C'est Nat et moi leur maître. Mon bateau c'est a maître. Coulé à la sortie du port près du phare. J'ai failli me noyer. Là, je de moi, maintenant c'est Nat qui va l'avoir jusqu'en décembre. Je ne les ai pas volés. Silence! Et toi, arrière, paysan. Non, le chat, ça, je passe. Ne me menace pas. Je suis un Medjay. Si ce garçon dit la vérité, je trouverai tes Sobek en or. S'il a menti, son sort est entre tes mains. Un instant, j'ai l'impression que mon feu est en train de s'éteindre. Ah, je pense qu'il peut repartir là, le feu. Non, parce que là, on dirait, mais la grille est sale, le chaos. Faut que je la nettoie. Sur Alcacion, tu verras, série qui parle des centurions, c'est différent chef, avant de faire les jeux d'horreur pour les créer sans faire peur. Pour ton feu, tu peux pas avoir les bûchettes rapides, les grosses bûches. Si, mais en fait, je finis les vieilles bûchettes à Redjar. Tout bêtement. C'est juste qu'en gros, j'ai les vraies grosses bûches, encore une trentaine. Mais j'avais encore ces bûchettes qu'il a de carrefour et donc je vais les finir, tu vois. Voilà. Tu dois aller examiner l'Octarem. Tout simplement. Voler un dieu est le plus grand des places. Là, c'est, ouais. C'est bon, c'est, oh, bah, c'est déjà reparti, aucun attendez. Châtiment n'est trop sévère pour une telle transgression. Sobek juge les profanateurs sans délai. Ses nombreuses dents déchiqueteront l'impie. Ce malfaiteur est un exemple. Un avertissement à tous ceux qui s'abîment dans le blasphème. Alors, c'est parti pour devant. Comme vous pouvez voir, les braises sont bien vivantes. Alors, les deux Sobek d'or sont prêts à lesquels? Les Sobek d'or, c'est rigolo ça. On disait quoi déjà? Je sais plus, qu'est-ce qu'on racontait déjà? Attendez, j'en veux plus. On racontait des trucs. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Ah oui, vous m'avez pas répondu. Enfin, si vous m'avez répondu, The Last Kingdom, très bien. Donc, vous avez beaucoup kiffé, effectivement. Et Vinland Saga, pour ceux qui connaissent le manga. J'ai un pote qui m'a dit que c'était génial. Et j'avoue que ça m'intrigue comme ils vont faire donc un partenariat avec Assassin's Creed Valhalla.
comme ça se passe disons à la même époque. Et donc je suis intrigué par ce manga. Oh là, Atrix qui m'envoie deux messages. Que me veut ma chère modératrice. Alors. What? Mais non. Alors. Deux points d'aptitude, on n'a rien. Alors, bouclier, est-ce que j'ai... Non, toujours pas de... Tout bien. Parce que pour le coup, Arijar, si tu, je sais pas si tu as été, tu as déjà passé sur le stream de d'Aralex, mais ça marche très bien Stadia. Alors peut-être pas en termes de nombre, mais en termes de qualité. Par exemple, là, d'Aralex, ça permet en fait de pouvoir notamment jouer à Odyssey en 4K sans problème. Voilà, par exemple, tu vois. Donc je suis pas sûr que Stadia soit actuellement un succès total en termes de clientèle. Par contre, en termes de performance, et ça fait le taf. Voilà. Tout bêtement. Mange aussi, comme ça je pourrais. Ok, il y a beaucoup de gens sur ce bateau. Sur ces bateaux en vrai. Attendez, on va d'abord vider les bateaux. Et voilà. Alors, ça, vous voyez, j'ai toujours le bug, mais maintenant j'ai trouvé une manière. Attendez, comment je fais déjà? Putain, non. Ah, c'est parce que c'est Alt Z. Oh là là. Voilà, c'est bon. En fait, je peux grimper, mais pas à la manette. Je sais pas pourquoi. Allez, salut. Petit one shot. Alors. Au revoir. Au revoir. Et bonsoir à toi, Lamaslos. Ok. Alors. Tout, 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 tout. Il y a quoi de beau ici? On va aller prendre le loot en bas. Tu as toujours les bugs bizarres sur les AC, toi. Que veux-tu, hein? Le talent. N'est pas pressante. C'est peut-être celle-là. Moi, je ne vois que ça, hein. Une forme de talent, tu vois. Mon passif de testeur QA. Peut-être. J'ai peut-être raté une carrière, effectivement, de testeur QA exceptionnel. Une statue en or de Sobek. Superbement réalisée. Comme ce garçon l'avait décrite. C'était mon métier, après tout, pour un petit moment. Ouh, très belle épée double, ça. Quality Assurance, Rough Panda. En gros, c'est la personne qui s'occupe, sur un produit, un jeu vidéo ou autre, de vérifier en fait les bugs du jeu. Alors, non pas de les reporter, non pas de les corriger, hein, de les reporter. C'est de vérifier en fait que le produit fonctionne comme il est censé fonctionner. Que tu ne passes pas à travers les murs, que si tu sautes à un endroit, ça saute bien, enfin, tout ça, tout ça. Et là, tu vois, pour une raison que j'ignore, à la manette, je n'arrive pas à monter quand je suis dans l'eau. Faut que j'ai pied, je sais pas pourquoi. Pourquoi lui comment? Voilà, c'est un métier. Hein. Et c'est un métier d'ailleurs qui est très peu apprécié. Attendez. Oh putain. Et qui est très mal payé aussi généralement. Putain. Et le problème c'est que Alt Z pour grimper, c'est également le truc Nvidia, donc c'est trop lourd. Ah bah c'est le but, hein. C'est le cœur du boulot, hein, de découvrir tout ce qui va pas.